Quelle tempête de sable! Quelle sacrée tempête de sable! Bon, on n'est pas là pour admirer justement cette tempête de sable, on est là pour faire un petit peu le point sur les différentes récompenses et surtout sur les distinctions. Je sais pas comment vous fonctionnez, vous. Moi, pour ma part, j'aime bien cumuler pas mal de récompenses et puis les ouvrir comme ça en une seule ou deux, trois fois pour avoir vraiment l'impression de gagner pas mal de cadeaux. Le jeu est très généreux, très très généreux. Et vous le savez, il y a des crédits, il y a des récompenses, il y a des tirages, des super tirages, des voitures, il y a plein de choses qu'on peut débloquer à droite et à gauche. Là, on va regarder précisément du côté des distinctions. Parce que vous avez des choses qui se débloquent automatiquement et qui sont ajoutées à votre garage ou qui vous sont données directement, et il y a des choses qu'il faut aller chercher. Comme par exemple dans les distinctions. Vous le voyez, il y a tout un tas de choses à faire ici, avec à chaque fois, bien sûr, les indications sur votre progression. Les radars, je suis à 38 sur 100. Les panneaux danger, à 15 sur 76, et ainsi de suite. Et vous avez également des endroits comme les courses de rue, où vous avez un petit 1 avec un cadeau. Les courses sur route, un cadeau, et également une voiture. Donc un cadeau, une voiture. Ici, sélection du festival, deux cadeaux. Donc, je vous propose que durant cette vidéo, nous ouvrions l'intégralité de tout ce que je peux avoir ici dans les distinctions. Vous me direz de votre côté aussi si vous avez de nombreuses récompenses. Si vous récupérez pas mal de choses, le jeu est très généreux, je l'ai déjà dit. Donc, on va voir ce qu'il y a là-dedans. J'espère qu'il y a des choses intéressantes. Bienvenue au Mexique. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Donc là, il y a pas mal de choses, il y a encore des choses à faire. Donc si vous ne les avez pas faites, vous les voyez ici et vous savez ce qu'il faut aller faire précisément pour débloquer des récompenses. Là, pour l'instant, allez, une première voiture. Une Ford Focus. Ok, voiture décernée. Une Celica. Ok. Allez, ça c'est fait. La montre, carrément noire, ça c'est fait aussi. Et j'ai encore une voiture, ici, une Nissan. Alors, très important, je vous l'avais déjà dit précédemment, attention avant d'acheter des véhicules. Faites le tour de tout ce que vous avez comme récompense à débloquer. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des doublons. Vérifiez bien que vous n'ayez pas, quelque part à droite et à gauche, une bagnole qui soit restée bloquée, que vous n'avez pas encore déverrouillée. Donc là, je la déverrouille. Voilà, et j'ai encore une Nissan en plus dans le garage. Alors voilà pas mal de choses qui sont débloquées. On est là uniquement dans Bienvenue au Mexique. On va continuer maintenant avec le festival. Le festival, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai ici un cadeau. Un cadeau avec simplement une phrase que je peux débloquer. Donc ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un cadeau que j'ai pas vu encore. Où est-il ce cadeau que j'ai pas vu? Où serait-il ce cadeau? Ah, c'est bizarre ça, il y en a un qui n'apparaît pas. Peut-être un petit peu plus loin. Peut-être un petit peu plus loin. On va regarder, on vérifie. Ici, effectivement, dans l'antenne du festival Horizon Rush. Il y en a encore une. Je peux y arriver. Encore une phrase que je débloque. Donc vous voyez, même quand vous êtes dans une catégorie, il y a encore pas mal de choses qui peuvent apparaître et que vous pouvez encore débloquer. Je découvre un petit peu ça en même temps que vous, parce que comme je vous le disais, moi j'essaye de cumuler un maximum de choses. J'avais déjà jeté un coup d'œil tout au début du jeu, mais là j'ai pas mal de choses à récupérer, donc j'en profite. Dans les expéditions, qu'est-ce qu'on a? Une bac mono à récupérer. Allez, ça c'est fait. Un vêtement, un chapeau d'exploration, un chapeau d'explorateur. Allez, ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ici? Oh la vache! Ah oui! Oh là là, la quantité de trucs à débloquer! Allez, encore une bagnole, une 207. Ensuite, des vêtements, un blouson d'aviateur. C'est parti. Les vêtements, vous pouvez les acheter. Mais comme vous le voyez ici, vous les débloquez aussi. Allez, un casque d'aviateur. C'est fait. Un klaxon décollage. C'est fait. 100 000 crédits. C'est fait. Expédition de Barra. Oh, excellent. F-150 de Berti. Ça, c'est fait aussi. Et une combinaison, ça c'est la combinaison qu'on utilise pour justement aller faire l'histoire en haut du volcan. Ensuite ici, une Skyline, encore une de plus. Et l'expédition du canyon, les fameux déguisements poulet qui est ici. En fait ça vous indique, quand vous faites une épreuve, ça vous indique que vous l'avez déverrouillé, mais c'est à vous d'aller le chercher ensuite. On vous donne le cadeau, c'est à vous d'aller ouvrir le cadeau en fait.
Les prouesses, qu'est-ce que j'ai de beau là-dedans? Alors, là, il y a un paquet de trucs à faire. Allez, une phrase. Ici, une Corvette ZR1. Allez, excellent. Ça, c'est bon aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore ici? Oh la vache, il y a un paquet de trucs à faire. Ce jeu est super riche en contenu, vraiment. Allez, une Nissan Formula Drift. Ça, c'est fait aussi. Une phrase encore. Encore une phrase. Une combinaison de courses. Parfait. Et ensuite, une voiture, une Lotus. Est-ce une Exige? Ça, c'est fait aussi. Ensuite, sélection du festival. Qu'est-ce que j'ai ici? Une phrase encore. Ça, c'est OK. Et encore un cadeau là en bas. Qu'est-ce que c'est? Encore une phrase. C'est déverrouillé. Les phrases, vous pouvez les changer. Hein. Vous pouvez changer les phrases en fonction de ce que vous voulez faire. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez personnaliser un petit peu le Forza Link. Ici, qu'est-ce que j'ai? Et où est-ce qu'il est? Il est là. Le cadeau. Qu'est-ce que ça va être? Une phrase. J'essaye de rouler bio. Ah bah écoutez, il y a quelques voitures électriques, il n'y en a pas tant que ça non plus hein, dans le jeu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Course sur route. Alors j'espère qu'il y aura une belle voiture là-dedans. Course sur route, là aussi il y a pas mal de choses à débloquer. On a déjà la voiture ici, qu'est-ce que ça va être? Chevrolet Bel Air Hoonigan. Fan ou pas fan? À vous de me dire dans les commentaires. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un cadeau là-haut. Démarrez vos moteurs. Start your engine. Pour ceux qui ont la référence. Ensuite, on continue. Zone de drift. Une récompense. Un cadeau. Où est-il ce cadeau? Où se cache-t-il? Il est là en bas. On va aller le chercher. Une phrase. Encore une phrase. Ok. Ensuite. On va garder les découvertes et collections pour la fin. 12 cadeaux et une voiture. Là, on a carrément 5 voitures dans le temple de la renommée. 5 voitures, c'est énorme les gars, énorme. Alors, une Aston Martin Vantage, ça c'est fait. Une Vulcan AMR Pro, ça c'est fait. Une Gallardo, ça c'est fait. Oh là 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 là, mais le garage il va se remplir à une vitesse. Une 360 Challenge Stradale de chez Ferrari. Une Viper ACR Dodge, ça c'est fait aussi. Oh là 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 les gars, mais c'est énorme. Ce jeu est énorme en termes de contenu, vous avez tout le temps plein de choses à récupérer. Ensuite, en ligne, 2 récompenses. Qu'est-ce que ça va être et où sont-elles situées? Tournée d'horizon, l'Eliminator, Horizon Open, ah ben les voici. 2 cadeaux, une phrase et une deuxième phrase. Voilà, et il y a encore, vous le voyez, les rivaux dans lesquels il y a également plein de choses à faire. Oh, les récompenses, oh la vache, mais c'est énorme. J'avais l'impression déjà que sur Forza Horizon 4, il y avait pas mal de choses, mais là, ils en ont rajouté. Ça fait du temps de jeu en plus, et en plus du temps de jeu bah, où on peut débloquer et gagner des choses. Ensuite, en créatif, alors ça, vous le savez, pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, créatif, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Je vous interdis de mettre des commentaires négatifs dans les commentaires de cette vidéo. Un premier cadeau, une phrase. Une autre phrase. Dans les photos, il y en a encore une. Souriez, très bien. Un tirage, ça c'est pas mal. Dans le labo. Ah oui, ok. Encore 3. Allez, encore une phrase. Encore une phrase. Et encore une phrase. Et le Super 7, pour l'instant, pas grand-chose. C'est vrai que c'est un truc que j'ai pas vraiment, vraiment farmé. Pas pour l'instant, en tout cas. Donc, vous le voyez, vous avez des choses que vous pouvez visualiser comme ça. Ça vous donne envie d'avancer encore dans le jeu. Et je vous le disais, on a gardé le meilleur, ou le plus gros morceau, on va dire, pour la fin. Découverte et collection. 12 cadeaux. Allez, une phrase. Encore une phrase. Encore une phrase. Allez, encore une phrase. Eh ben, dites-moi, qu'est-ce qu'on va pouvoir parler en course? Encore une phrase. Encore une. Ah, je m'attendais un petit peu à du pognon, quoi. Ah, un blouson d'aviateur. Bordeaux. Ensuite, encore une phrase. Encore une phrase. Et
Encore une phrase. Je ferai bien 800 km. Je sais pas combien de kilomètres j'ai fait dans le jeu pour l'instant, mais à mon avis, il doit y en avoir un paquet déjà. En collection de voitures, il y a encore des cadeaux. On garde la voiture pour la fin. Oh, ça brille. Et qu'est-ce que j'ai encore ici? Boum, surprise. Oh, et puis il y a pas mal de choses ici encore à débloquer. Des emotes. Ok, c'est pas mal. Et on termine avec la voiture. La dernière voiture. Je pense que c'est la dernière. Une Cadillac Sedan. Ok, et bah écoutez, ça y est. C'est dans le garage. Donc vous voyez, toutes les distinctions, il y en a quand même quelques-unes. Vous voyez que tous les cadeaux que j'ai pu récupérer, il y en avait quand même un paquet. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pour terminer, regarder la liste de ce que j'ai rajouté dans le garage. C'est juste incroyable. Toutes ces bagnoles sont données gratuitement. C'est pour ça que quand vous jouez, et si vraiment vous devez acheter une voiture parce qu'il vous en faut une pour faire une épreuve particulière, attention. Vraiment vérifier que vous ne l'ayez pas quelque part débloqué et qu'il faudrait juste la récupérer. Comme ça, ça vous permettra vraiment d'optimiser votre temps de jeu et vos crédits également. Donc tout ça, c'est fait. Et maintenant, ça veut dire que... Eh bien écoutez, ça veut dire tout simplement que dans la collection, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Parce que j'ai quand même eu beaucoup de voitures en plus. Et là, vous voyez que... Voilà, ça se déroule... Et vous voyez toutes les bagnoles que vous avez eues en plus. Donc là, elles vont se placer automatiquement dans la collection. Et peut-être que ici encore, vous allez récupérer d'autres cadeaux, d'autres récompenses. On valide. Et vous le voyez, par exemple, voilà, la BAC Mono. Comme c'est la seule voiture et que donc j'ai toutes les voitures de chez BAC, j'ai encore un cadeau supplémentaire. 2000 d'XP. Rien n'est à négliger dans le jeu. Vraiment, rien n'est à négliger et tout est interconnecté. Tout vous permet de récupérer des récompenses à droite et à gauche. Donc non seulement vous avez fait des choses qui vous ont permis de débloquer la voiture, mais en ayant la voiture, vous complétez une collection et donc vous récupérez encore des cadeaux. C'est absolument dingue. Et ça vous permet comme ça, à chaque fois que vous allez rouler, que vous allez faire quelques épreuves, de repartir avec pas mal de choses pour remplir votre garage. Il y a vraiment, vraiment de quoi faire. Et c'est absolument jouissif de faire ce genre de choses. Je vous laisse regarder de votre côté. Je vous laisse regarder tout ce que vous pouvez déverrouiller, tout ce que vous pouvez débloquer comme voiture. Afin que vous ne loupiez rien et que vous puissiez vraiment, vraiment vous faire plaisir. Ça voudra dire maintenant... que dans mon garage, j'ai 135 voitures. 135, soit 135, j'ai dû en acheter 2, je pense. 2 ou 3 peut-être, mais vraiment pas grand-chose. Donc ça fait vraiment plaisir. Bon, écoutez, je vous laisse jouer, je vous laisse farmer, je vous laisse découvrir et agrandir votre collection. Portez-vous bien, à très très vite. Ciao.